L'ex-concubin était identifié. Il s'agissait d'un ressortissant algérien âgé d'une vingtaine d'années. Des investigations étaient alors diligentées pour le localiser et l'interpeller. Les différentes investigations, notamment téléphoniques, permettaient de déterminer qu'il avait quitté rapidement après les faits la ville de Troyes et s'était réfugié en région parisienne. Le mis en cause était interpellé en Espagne, à Bilbao, le 31 octobre 2021, à la suite de commissions de faits délictueux d'une autre nature sur le territoire espagnol. Les autorités espagnoles remettaient une mise en cause aux autorités françaises le 12 novembre. Il a été présenté au juge d'instruction hier, le 15 novembre 2021. Il a, lors de son interrogatoire de première comparution, reconnu avoir projeté de l'essence sur la porte de l'appartement où se trouvait sa compagne, puis avoir mis le feu à cette porte en sachant que dans l'appartement se trouvait sa compagne et d'autres personnes. Il l'indique l'avoir fait notamment parce que sa compagne l'avait quitté. Il minimise toutefois sa responsabilité, indiquant qu'il se trouvait en état d'ébriété et que la femme qu'il aimait venait de le quitter. Il nie par contre avoir eu l'intention de tuer qui que ce soit. Il a été mis en examen à l'issue de cet interrogatoire de première comparution, des chefs d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction par incendie et de menace de mort par concubin. Il a été placé immédiatement en détention provisoire. Il passera en cours d'assises, a priori, si l'état de et de toute façon, la dégradation par incendie par moyen dangereux est intenable. Nous avons été au courant des menaces de mort après les faits et une fois que cette dame a pu être entendue, puisqu'elle a été découverte dans l'appartement inconsciente. Elle n'a donc pu être entendue que plusieurs heures après que l'incendie se soit déclaré, soit éteint et que l'on ait constaté la mort des deux enfants. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'initialement l'enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort puisqu'il s'agit d'un incendie pour lequel on ne connaît pas l'origine si elle est volontaire ou involontaire et on n'a pas connaissance du fait qu'il y aurait eu des menaces ou des raisons pour lesquelles cette dame serait allée habiter chez les locataires de l'appartement qui a pris feu. Nous n'apprendrons tout ça que dans les heures qui vont suivre et dans les jours qui vont suivre du fait des auditions des différentes victimes qui ne vont pas être entendables tout de suite parce que hospitalisées pour certaines inconscientes, pour certaines dans le coma, et parce que aussi l'enquête de voisinage va prendre un petit peu de temps puisque l'ensemble des personnes de l'immeuble vont devoir être déplacées à la suite des dégradations du fait de l'incendie de cet appartement. J'ai mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat.